Le social du peuple congolais, ça nous préoccupe aussi tant. Fidèles téléspectateurs, bienvenue devant vos postes téléviseurs. Vous êtes bel et bien sur Marché Central Télévision. C'était toujours au Lobanabino. Vous avez abonnement à Bino, vous avez Bino, Moussala, Obotinda Kangaï, Nassala, chaque jour. Le simple monsieur, le simple journaliste est là pour parler que du social du peuple congolais et faire le travail où Etina Melanga Nassala, chercher l'information, traiter l'information et diffuser l'information. Aujourd'hui, je suis avec M. Patrick Noki Bakou. Ensemble, Naye, lui, il est qui Azali, président de l'Union des déclarants en douane. Nakati, il y a ville, il y a Mwanda, il y a ville, il y a Boma. Nakati, il y a Boma. Kuna Nakati, il y a Congo central. Toyoka qui m'écoute, il y a des gens qui ont un port privé, il y a ville, il y a Boma, il y a Congo central. Il y a sa valeur, il y a tout, le port n'a pas tout et ça croît. Le lot Yambi, Moko, d'ailleurs, il est le président, il y a déclarant, il y a tout, il y a ville, il y a Mwanda. Il y a ville, il y a Boma. Il y a ville, il y a Boma. Donc, il y a des amis, les autres, les amis, les autres, ensemble, les autres, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le président, Mbote. Mbote, Mosakoli. Ah, Boni. Nangolo, Tozaliko, Yikampiko. Président, on a beaucoup souffert pour vous avoir. Hein? Vous êtes trop rare, mais pendant que vous avez des choses à dire, qu'est-ce qui se passe? Rare, c'est un peu trop difficile. C'est par rapport peut-être aux circonstances de la vie. Et aux occupations. Qui fait qu'on est toujours en mouvement. Okay. Dieu, par sa miséricorde, il a permis aujourd'hui qu'on se revoie encore. Parlons de Boma, là où vous êtes président des déclarants. Qu'est-ce qui se passe avec les ports de Boma? Merci, c'est une question très très pertinente. La ville de Boma, c'est une ville historique. Ok. Tous ceux-là qui sont passés sur le banc de l'école savent que la ville de Boma, c'était première capitale de la République démocratique du Congo. Mais pour ce qui est du port de la ville de Boma, Boma connaît des moments très très difficiles en ce qui concerne les arrivées de navires. Il n'y a pas longtemps, une ordonnance loi, des arrêtés ministériels qui sont sortis pour qu'il y ait les contrôles techniques au niveau du port de Boma. Tandis qu'à Matadi, il n'y a pas la contrôle technique. Ce qui fait que tous les importateurs préfèrent faire passer leurs véhicules au niveau de Matadi pour échapper, bien sûr, au contrôle technique. Or, c'est une disposition légale de l'État congolais qui fait que, aussitôt que la marchandise descend dans la ville portière de Boma, tous les véhicules doivent passer au contrôle technique pour certifier que ce véhicule peut rouler, circuler dans notre nation. Parce qu'il y a d'autres véhicules abandonnés en Europe qui ne peuvent même plus rouler. Mais ici, chez nous, ça prend l'allure. Ça quitte Matadi jusqu'à Kinshasa. Voilà pourquoi l'État congolais a prévu le port, a prévu au niveau du port de Boma cette disposition des contrôles techniques. Mais cela fait souffrir la ville de Boma, monsieur le journaliste. Je m'explique. Du fait de cette contrôle technique, il y a d'autres frais qui s'ajoutent au niveau des trésors publics. Et qu'à Matadi, ce paiement n'est pas pris en compte. Mais au niveau du port de Boma, cela est pris en compte. Okay. Et cela empêche que l'État congolais bénéficie aussi de ses droits en matière des impôts. Voilà pourquoi la ville de Boma souffre aujourd'hui, messieurs les journalistes, quant à l'arrivée de navires et les Congolais en soi, dans les cadres sociaux dont vous avez parlé, ils peinent. Et je vais vous surprendre aujourd'hui que la ville de Boma, on l'appelle aujourd'hui Ukraine. Ukraine? Je vous dis, la ville de Boma, aujourd'hui, on appelle les Ukrainiens qui sont là. Pourquoi on les appelle les Ukrainiens? Parce que ça vient de faire 8 mois, on a réussi que 10 mois, on a réussi que 2 navires. Mais tandis qu'à Matadi, il y a 2 navires chaque semaine. Pendant les mois, ils peuvent bénéficier de 5 navires ou de 10 navires. Or, le Congo central en soi, il n'a que 2 villes, qui est la ville de Matadi, la ville de Boma. Donc, le gouvernement en soi a mis des dispositions pour que la ville de Boma donne aussi quelque chose au trésor public. Faute de cela, les trésors publics peinent de récolter les fonds consistants pour permettre au chef de l'État, le garant
de bon fonctionnement des institutions, de bien consolider et de bien préparer les enveloppes consistantes pour permettre à ce que nous atteignions 16 à 17 millions de budget annuel. Donc la ville de Boma, c'est aussi quelque part une ville qui peut vraiment produire beaucoup de recettes pour permettre à ce que le chef de l'État puisse atteindre le montant souhaité. Président Patrick, tu vas dire ça. Tempo. Tu m'as dit français, mingi. Tu as dit merci beaucoup. Ville de Boma légalement. Et Zalina Port Ben Moko. OK. Oya SCTP. OK. Mais d'une manière irrégulière, Oyo l'État congolais le bac il faut pas kangaba port mususu. Et Zali pe na ngambo wana ibakisami mibale. Et comme misatu. OK. Mais port Oyo marchandise nyose utaka na poto, Oyo comme laka, et Zali Oya l'État babengi SCTP ex onatra. Ndebisika marchandise et comme laka. Le port fictif, wana, le lenge, le conseil na gouvernement, na bazo ki mikano, ete ekangama, tena mokola lelo, ba décision wana, te mona ka applicabilité na ngote. Mais pourquoi, aksam mingi e kei na ba port ya matadi, ou le na port ya boma? Mokolo ba na bomba bakope sanga moa chance, na koma na misikle, nde bisika na kobeta yango malamba lamo. Parce que, sous la table, les alliés et belen. Mais na moment où moana limbolango mingi mo lobeli ezali moi passe. Donc c'est que makambo ezana siwana. Makambo ezana siwana. Oh bino ba nekongo bozo accepter. Biso ba nekongo tozali ata mokolo moko te ko accepter. Parce que zoko défavorisé et là na développement ya province na biso ya Congo central. Parce que misolo wana et permettre ka gouverneur na biso. Gibandu et pesa e makoki à travers régie financière na yo ba bengi de Jer Kassé pour que akoka ko sala ba réalisation. Oh, il y a ça, il y a un programme, il y a développement, il y a province, il y a Congo central. Donc, il y a un peu à côté. Ministre, il y a transport, Cheribert Okende, tout le monde qui a dit qu'il y a un peu de côté transport terrestre, tout le monde a transco, mais du côté transport fluvial, il y a port et tout comme ça, il y a un peu de binonde ba déclarant boza ko kangela e porte to yende azo trouver intérêt na été na côté na binoku. Merci Molobeli, wane zali question moko très très pertinente. Ngana benga ka excellence na benga ke mwana mobali wana nzambe apesa ye mikolobeli na sembo kili po yete oyo nyoso to yaka nango comme préoccupation na mesa na ye excellence cherbe okende akota ka yango à s'approprier la vision et puis na souka te mona ka réalisation nango alaka ki biso bandeko po na yiko tale mikolo yutu ko leka na député na biso ya ville province de ville protière ya Boma monsieur Adrien Poba excellence ya mbaki biso tout solo laki abenga ki PDG ya OCC bon o ya uti ko bima tout solo laki makambo meke po na été pour ya boma ezwa esika nango oya kala mais dommage déjà auti ko kende ba tire biso mama tozoze la na mikolozo ko ya to senga pe audience to kuta na ye pour que to expliquer ye le bien fondé ya démarche ya ministre Cheribert Okende na oye tali pour ya ville ya boma molobeli na kosa yote mwana mbali wana za kosala musala na niveau ya Congo central. Ba elemana yeso ko munisama. Vraiment mokonzi amboka. Wana za mafuta tozo pakola ina munoko. Soko otuni bana boma, otuni matadi. Na li moto na zonga ka simate. Soko yoki ba directeur bazoko longwa, ba provincial bazoko zonga ki sasa bazoko mité bango ayere. Poso nga na tele mina lobi, cher camarade déclarant. À partir d'aujourd'hui, le monsieur tel doit partir au Longwe na Congo central. Au longue, pourquoi? Parce que soyez dans la contre vision de Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo a tient bonne naïe dans la jeunesse. Oyo a lobby te kenazana besoin à binou. Boye langa mi solo. Ya oyo binou pour foutre à la douane pour permettre ngai na réaliser ma projet na ngai.
Oh, nous avons telle mais la volonté chef de l'État, na Congo central. Aye ba kengai président ba déclarer na kotika kimia te. Na kozoa na kimia, na bengi mama DGA, zoa muto yo zongi sa ye. Pour l'État congolais, il a besoin de misolo. Il a besoin de sentiment et de mototé. Il a besoin de misolo et côté la trésorerie publique pour que ma pinga na biso bunda na est kuna. L'État congolais a la force ya ko s'occuper na bango, na armement, na solde na bango. Ba mama na bango ba tikene Kinshasa et permettre bango bana ba kine kelasi, bana ba tanga malamu, bana ba lia. Voilà un peu en gros ndenge to lobaka na ville Boma, Boma padé. Pas de l'ingo loba mouye. Soko yé na l'iloba moko, toko yo kayo. Mais soko yé mi balé, to tele melio. Parce que na moko, to ebi ke esangisi batu. Oye biso to benga na ki Congo, nzola. Oye bino benga na France, union fait la force. Biso to lobaka, nzola, makuma matato. C'est-à-dire comme ça, le mec comme ça, quand vous réunissez comme ça. Voilà. Makuma matato. Voilà, ça devient une force. Et cette force-là, permet à ce que, nka kasimo kimbangu. À côté de Makambo, il y a Congo central. Et puis, le grand prêtre Mbengo Mbengo, l'homme qui est dans le fleuve, qui est en train de sillonner, surveiller le Congo, pour que demain, le Congo central ne trébuche pas. Voilà un peu, monsieur le journaliste. Président, président Patrick. Boma, pas de. Il y a un binde pour le Barakunati. Voilà. Yoka. Balobeki, ba port privé, ba kangayango. Tout le monde a une réaction à Binoba na beau matin. Voilà. Tout le monde on dirait que vous trouvez parce que vous avez un intérêt dans le rapport privé, dans le rapport Oyo, gouvernement Kabylie, Kabylie, famille Naemo Bimba, on soit créé, port, Nini, Bélé, Bélé, Bélé. Oyo, ça l'a fait que port, il y a ex-onatra, et Koufa. Mais si vous avez un intérêt, vous acceptez qu'il y a un autant de lobby et Koufa. Tout le monde a une réaction à Binoba matin. Merci beaucoup, Molobeli. Je vais vous 3-4 mots, Landaki. Et ça, qui marche, c'est la ville de Boma, qui est bien Boma Téléman. Et ça, qui une marche officielle. À l'époque, tout ça, qui na Mokambi, à Congo central, dès qu'on a vu sur Justin Luemba, tout comme la caillé, tout ça, qui marche, civilisé, responsable, dit comme qui na mairie, il y a ville de Boma, tu as déposé, cahier de charge en abisso. Na maïma, sur le Boma qui wana, et il y a un hôtel, il s'appelle ma port privé wana. Na maïma son père les gars qui vont négocier au Lac Boma Azaline est singo mon côté parce que quelque part a commis oublié et abandonné le gouvernement central. Na yango to mona ki ba autorité ba kitaki pour na ko solo là. Na ba oye ba lobeli ya bana ya Boma lokola ndaki sanga moko na temi liboso na vino pe na zoko lobawa pour que le gouvernement a zo ba responsabilité na ye amen. Oh, nous sommes tous qui ont décret loi, nous avons arrêté le ministère à mettre en application. La résolution, nous sommes tous les gens et yaki na Kinshasa. Biso to fongola ki brèche, gâchette ou tagande na Kinshasa. Biso to zotaye la bango, mikolo ou tuko leka, to nga yoto metta sou moi le seba moko, babi président, limbisa, boma moto, to zoko ya. Voilà pourquoi na mokola lelo, nga na zana Kinshasa. Mais premier vice-président en Ghana, Boma, Azana Matadi, na madame le maire, ya ville ya Boma, bazali pas gouverneur de province, pour na ko lobela maloba nyonso wana yo tuni na motune ba port privé, port ya Onatra, conditions sociales ya bana Boma. Bazali lelo na réunion na Matadi, et pas excellence Guy Bande. Bazo ko traiter ba dossier sensible ya ville ya Boma. Parce que sans vous tromper, le social va avec le chef de l'État. Ce qui bon mais ko vivre malamouté. Qui va approcher le chef de l'État? Personne. On ne peut l'approcher que quand le peuple se sent en sécurité et protégé. Parce que les textes existent. Le quoi là-bas, texte est allé et c'est le gouvernement a fait une application. Balobi, tout le véhicule doit descendre dans la ville de Boma. Mais c'est un lobby. Et c'est allé de Makomi, il y a un lobby qui est. Là, c'est une loi. L'ancien premier ministre. Voilà, l'ancien premier ministre, Sami Badibanga, Abimi Saka, a lobby. Pour la cause de l'équilibre, il y a deux portes aux Angoya, on a trois. Na oya Boma et sengeli ba conteneur et l'équipe m'a dit ba véhicule qui tana Boma yango mona ki été ba ko tia contrôle technique na port ya Boma. OK, mais depuis ba tia contrôle technique na port ya Boma ba martyr ne so ba kima ba ko fana matadi yango moni réunion à lelo zo sa na matadi pour que mikanda nyo so wane ko mama evanda et puis esalama ba benga ba martyr ne so na poto
pour que ba côté la vision au ya gouvernement central. Question moko acho. Na 18 ans ya Kabila, na 5 ans ya Félix Tshisekedi. Boma ezako fidèle spectateur avant tout na motuna oyo na lina préciser parce que dobe na mamba port ya Boma na quelques précisions par rapport ya port ya Boma. Le port de Boma est beaucoup moins important, il compte 480 mètres de queue linéaire avec trois postes tirant d'eau admissible de 7,50 mètres, 7 mètres et 10 mètres. Écoutez bien, il possède 6 magasins pour une superficie couverte de 9700 mètres carrés et 20 000 mètres carrés de temps plein pouvant être étendu à 40 000, soit 50 000 mètres carrés. Carré, on est allé à superficie, il y a port, il y a Boma, autre allé Colombie. C'est totalement mon nez, il y a port, on est à Boma. Fidèles téléspectateurs, avec Boma, Boma kaka ya Mwanda, na Boma kaka ya Pamba, na port Nango, il y a SCTP. Déjà, province, vie province, il y a Congo central, et qu'on est à l'aise, bah tu vas couler, bah tu vas comer la bille, loco, et qu'on est là pour nous satisfaire, bah tu pourquoi pas qu'on y a peu et ravita et peu Kinshasa, oh et Tony na bah immeuble. Oyo ba indien ba pakistanais ba libanais ba zotongela biso awa ba ministre ba détourneur na boy ko benga mona lingala po na lingala boloba resona mabe so benga mona lingala na boloba miyibi oyo ba député miyibi ba ministre miyibi ba konzi miyibi ba zotonga ba immeuble lokola ba champignon sans tenir compte ya environnement ya mboka na biso. Ville ya boma yango moko na port na yango ya STP ko ko ravité biso na mablo wa moi ebele. Mais qu'est-ce qui fait que port wana ezala abandonné avec à son triste sort pour privilégier ba port wa mike wana. Tango mwana mboka Joseph Kabila asala ki ba port a mike wana. Mutuna nanga za ki mingi ya koyeba. Tanyo sotu o ya eleki na mboka na ta o mwana mboka Félix Tshisekedi na mboka. Na niveau na bino ya port, hein, na niveau na bino ya Boma beaucoup plus na mboka li port. Yo zali président ya ba déclarant. Place nini bozo mona ke il fallait to esenga ki penza. 18 ans to 5 ans. Bon, en fait chaque période des ans ils ont fait la réalité. Okay. Dans les 18 ans, le port de Boma, il y a eu certains aménagements. Okay. On a même bétonné le port. Okay. Pendant que les gens ont mis il faut qu'il n'y ait pas de poteau-poteau. Mais au jour d'aujourd'hui, ça a été bétonné par l'ancien régime. Il faut toujours reconnaître quelque part ce qui a été fait. En état humain et surtout chrétien. À l'arrivée de Fatshi, jusqu'à là, le port de Boma ne semble pas prendre l'envol. Ne semble pas prendre l'envol. Pourquoi? Parce que vous savez comment il a commencé à diriger ce pays avec FCC, bien sûr. Et puis, il est resté avec cette majorité. Mais avec tout ce que nous avons comme l'information, d'ici là, il y aura des matériels qui vont descendre dans la ville portière de Boma dans le cadre de la manutention. Parce qu'il n'y a pas de grilles dans le port de Boma. Comment un armateur comme Maersk peut venir avec des conteneurs à Boma pendant qu'il n'y a aucun un engin qui puisse prendre les conteneurs dans un navire et les s'asseoir sur le tarmac? C'est impossible. Voilà les difficultés que nous avons dans la ville de Boma. Et d'après tout ce que nous avons eu à parler avec son excellence, le PCA de LMC, M. Lambert Mende au Malanga, donc d'ici là, la LMC est en train de se procurer du matériel adéquat pour permettre à ce que la ville de Boma ait ce matériel, ces engins pouvant servir au déchargement, au débarquement des marchandises. Plusieurs encore, le chef de l'État, depuis, c'est une première dans notre ville de Boma que le chef de l'État vient d'honorer son engagement en dotant la République démocratique du Congo d'un drague. Pendant les 18 ans, nous faisions que louer des dracs vers le Gabon. Et ça coûtait combien? Au trésor public de la République. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller encore louer les dracs. Donc, comme il y a dracs, il y a Bissomoko. Et ça a été inauguré par l'ancien premier ministre, le vieux là qui était parti. C'est qui encore? Ilunga Lukamba était venu à Boma. Et il a inauguré ce drac. Et à la joie totale
y a bana boma pia Congo Central. Wana, wana di mwe bo sepeli na Fatshi. Non 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 côté wana na ville ya boma Fatshi a fait un pas à mettre un drag. Drag aussi pour na ville ya boma kate. Mais il y a qui na boma. Mais le drag est comme dans le bief maritime. Parce que bief na biso ils ont la sable mais il y a comme casse. Bah tirant donc aussi comme à 15, bah 16, il faut qu'on a 22 pour certains navires écoutant. Voilà pourquoi nous avons la difficulté à quoi atteindre des bateaux et minéraux là et que ça a toujours fait qu'il y a une pointe noire et déposée ouais miké des huit marchandises et continuons on a maille na biso. Donc nous sommes perdants nous les Congolais. Tout n'amo ezali. Na tout na yo alors. Je suis disposé. Lobby par rapport à Drag, Tobeteli, Fatshi Maboko. Pourcentage ni ni bana boma bazana o Fatshi ko compter pas na bango na élection o izoya. En tout cas pour ce qui est de Fatshi, je vous dis sauf que c'est un produit. Moi j'ai toujours dit que le président Fatshi a zali produit. Je peux donner un exemple. C'est comme la Massavgo. Massavgo ça va produit naïe, Omo, savon les coques ainsi de suite. Mais il doit avoir des bons marketeurs sur le terrain. O ba yiko te ka produit. Avec Fatshi, le défi que nous avons dans le Congo central, il n'a pas de bons marketeurs. O ba yiko te ka produit o yazali. Oh, c'est un produit. Oh, il y a ce qui a mal à moi, Zali, à côté de Manette Lipa. Je vais vous donner encore un exemple plus loin. Okay. Depuis que ça existe moins dans le Congo central, depuis Congo, Zaïre, aujourd'hui encore Congo, c'est la première fois qu'un président rétrocède à ses contrées le droit de son sous-sol. Quel est ce droit? C'est le pétrole noir qu'il a perdu à Zouaka, Namabélé à Mwanda. Le chef de l'État a rétrocédé dans la ville côtière de Mwanda 10 millions de dollars. Et Kenda? Le 10 millions de dollars jusque-là, ça se trouve encore dans le caisse de l'État, qu'on n'a jamais utilisé parce qu'il y avait une colloque qui s'est faite à Mwanda pour que Mwanda, à travers 10 millions, on a créé la ressource, c'est-à-dire qu'on arrange les routes, qu'on arrange l'électricité, ainsi de suite, l'hôpital. Mais encore une fois, chers camarades, 10 millions. 10 millions de dollars. Jusque-là, on n'a encore rien soutiré. Et je rappelle à son Excellence, monsieur le ministre de l'Ogapir, Didier Moudimbou, de s'investir quand on sait. Moi, on a besoin de cet argent, Excellence. Tiens, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Parce que je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, Excellence. Président Patrick. Dede encore Ndeko, Limbisa, je suis un peu de Fatshi Soussou. Depuis que ça soit Mwanda et Boma, pour la première fois, Makadam est côté dans le Boma Mwanda. Ndeko Nangaï. Wana Fatshi. Fatshi béton. Les locaux soient catch, même Yaris, comme Mwanda. Dans Zina, dit-on comme Mwanda. Ngaï Moko n'a pas de jeep, il n'a pas de 45 à 50 minutes, comme Mwanda. Or, à l'époque, il faut faire 7 heures de temps. Au cours, ça a même 3 jours pour atteindre Mwanda. Fatshi béton. Après tout, il mérite. Donc, dans le Congo central, Tozanga Ndeba. Ma grand leader, oh, ma côté qu'un produit pour produire ça n'ango. Tu comprends ça va grand leader à Congo central, Mbote, Antoine Gonda. Wanande, suka masolo. Eh, wanangazi. Mbachimbacha. Bon, j'entends les noms mais je n'ai pas vraiment la fiche. Tenga nga, va nous décider. Tenga nga, va combo. Tu comprends ça va grand Mbote. Où bien on peut va grand leader. Bon, moi je salue en passant plus Antoine Gonda. Je vous salue. L'ambassadeur est une rang. Et puis je salue encore voilà, tous les chefs de division du Congo central parce qu'ils font des travaux mérités. Je salue aussi le ministre provincial de l'Intérieur, son Excellence Mambo, Mfumwa Kazangulu. Donc un grand combattant, le ministre provincial de l'Intérieur, qui met la joie et la paix dans les contrôles du Congo central. Au Kimi, je suis disposé. Travail. Le numéro est là affiché à l'écran Abino, plus 243 89 75 72 191. Appelez-moi, entrez en contact avec moi. À tout moment, c'est le seul monsieur qui va répondre au téléphone. Portez-vous bien. Boma, nous allons venir.